Je m'appelle Johnny, je suis freelance journaliste. Ça fait quelques années que j'habite en Flandre, à Bruges, et ça fait plusieurs années aussi que je vais dans des endroits tels que l'Afghanistan, le Pakistan, et depuis un an aussi en Syrie. Omdat Syrië natuurlijk, ja, het speelde zich allemaal daar af. Syrië is natuurlijk nu al twee jaar. Ça fait depuis deux ans que les Syriens se battent et j'ai voulu aller voir moi-même parce qu'on entend vraiment des choses affreuses là-dessus. Donc j'ai voulu voir de mes propres yeux et j'y ai été une première fois où j'ai traversé la frontière illégalement. Ensuite je suis revenue et je suis repartie fin septembre, début octobre. On est parti à Alep et la guerre syrienne, on ne peut pas la comparer avec aucune autre guerre. September, octobre, naar Aleppo gegaan en de grens was toen open bij Kilis, dus dat ging al een stuk makkelijker. En daar waren toen nog heel, heel, heel zware gevechten. Dus dat was echt een oorlog die ik nog niet heb meegemaakt. Ik vind dat de oorlog in Syrië, die kun je met geen enkele andere oorlog vergelijken. De eerste dag in Aleppo werd ik er meteen ingesmeten, zoals dat heet. We kwamen de stad in en we gingen naar het centrum, naar de Medina, naar de oude souk. Je suis partie à Alep, au centre-ville, pour retrouver un commandant rebelle qui était ici en Belgique, qui vivait en Flandre. Et en allant en fait sur le chemin, quelqu'un nous a arrêté en disant « Oui, il y a une femme avec ses enfants, donc une famille qui est morte dans leur maison, en fait, parce qu'il y a eu des bombardements. » Et le père, en fait, quand il a vu sa famille, donc sa femme et ses enfants, il a eu une crise cardiaque, il est mort aussi. Et donc, en fait, dès les cinq premières minutes, j'étais à Alep, je comprenais déjà pas ce qui se passait, il y avait des bombardements de partout, l'alarme qui sonnait, il y avait des avions, il y avait des cris, il y avait des sacs qui se transportaient dans les rues avec les restes d'êtres humains, quoi, des restes de cadavres. C'était vraiment horrible, quoi. Alles was tegelijk, dus het was echt heel hevig. Dan kwam er weer een luchtbombardement, ging het alarm af, het was echt zo van waar ben ik in beland? Echt heel, heel erg, echt waar. Maar ik zeg altijd, en dat is wat we dus nooit uit het oog mogen verliezen, dat de bevolking die daar woont, die zijn er de dupe van en die kunnen daar niets aan doen. Donc elle répond toujours que quoi qu'il en soit, on ne doit pas perdre les yeux qu'il s'agit d'une population qui souffre et que la population civile là-bas, elle ne peut rien y faire. Het zijn die mensen die wij willen helpen, die wij willen proberen te helpen. Ce sont ces gens que nous essayons d'aider. Nous avons organisé un événement au nom de ASF, Aide sans frontières, qui est une association de fait et qui a pour but de récolter des fonds pour pouvoir continuer donc dans ces démarches qui consistent à amener donc ambulances, matériel médical et médicaments. Alors on va dire qu'on a un réseau assez large formé de simples citoyens, il n'y a rien d'officiel, qui s'intéressent de près à la situation de ce peuple et qui donc fournissent de l'aide. Parfois donc de manière matérielle, immédiatement donc de matériels médicaux ou de médicaments. D'autres le font direct donc par le biais d'une aide financière. Il est vraiment extrêmement utile que chaque personne, même s'il s'agit que d'une goutte dans l'océan, agisse de manière à pouvoir aider les personnes qui sont opprimées. Là, il s'agit de venir au secours des personnes qui sont abandonnées à leur sort. Et il est hors de question que je vois les choses autrement. Pour moi, il s'agit de venir au secours des personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Donc notre objectif, c'est de pouvoir aider du mieux que nous le pouvons et de pouvoir, je vous donne un exemple concret, quand on voit qu'il y avait des centres médicaux de fortune où il n'y avait pas de défibrillateur, où des opérations étaient menées et que le cœur cédait parce qu'il n'y avait pas de relancement cardiaque,
Aujourd'hui, grâce à cette démarche qu'on mène avec ASF, on a pu acheminer donc, et fournir des défibrillateurs, du matériel qui permet donc, de mieux gérer les opérations et les interventions chirurgicales de toutes sortes. Et on n'arrêtera pas parce qu'il s'agit de sauver des vies humaines, il s'agit de s'intéresser à un peuple qui, malheureusement, comme on le voit aujourd'hui, est un petit peu abandonné, mais vraiment ignoré de partout. On rejoint donc Syrian Assistance pour nous élargir. On aimerait pouvoir toucher d'autres aspects. Moi, personnellement, l'aspect que j'aimerais bien qu'on touche serait de dédiaboliser la lutte du peuple syrien, qui est tout à fait légitime. Dans d'autres pays et dans d'autres contextes, on a appelé ça de la résistance. On s'amuse à nommer ces gens de résistants du terrorisme. Moi, je suis tout à fait opposée à ça. Il faut donner au peuple, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Là, il s'agit d'un peuple qui revendique des droits. Ce sont des résistants contre un dictateur. Et voilà, pour moi, il est clair que je continuerai dans cette voie-là. Que répondez-vous aux personnes qui disent que c'est un combat musulman contre musulman ? Écoutez, pour moi, Bachar el-Assad, pour très musulman qu'il puisse être, à partir du moment où il s'acharne sur des enfants, des innocents, pour moi, il n'y a plus rien de musulman là-dedans. Donc c'est un peuple qui se bat, qui lutte contre un monstre. Il n'y a pas d'autre terme à utiliser. Je demanderai tout simplement à chaque personne qui se pose ce genre de questions de s'imaginer leur propre enfant se faire déchiqueter et on verra l'idée qu'ils se feront de cette personne qu'on prétend être musulmane.